Thomas n'est pas connu. Prise 1, scène 1. Fin de la prise 1, scène 1. Mon Instagram, si jamais ça dit son NGS. Tous en Instagram. Tap 2, 1. Hola! Ça fait oh 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 là! Hola! Hola! Ça sera dans tous les cas gênant. Les hommes savent pourquoi nous sommes des hommes, évidemment. Ouais. Comment on introduit? Je sais pas, tu dis. Comment on introduit? Elle est youtubeuse quand même. Comment on introduit? Maintenant, Cam explique et nous on est là, on fait. Donc, du coup, aujourd'hui, on va faire des conneries capillaires, of course. Ça fait longtemps. Là, on va raser les cheveux en soi. Mais avant ça, on va faire des conneries, on va faire des. T'inquiète, surprise, vous allez voir. Yo, c'est la Camille du montage. Je tenais à expliquer les différentes raisons qui m'ont poussée à avoir envie de le faire. Alors premièrement, c'est qu'il y a 3 ans et demi, Gaëlle Garcia Diaz a sorti une vidéo où elle se rasait les cheveux et en fait, depuis cette vidéo, j'ai envie de le faire moi aussi. Pour aussi déconstruire les idées à la con fixées sur une femme doit être féminine et pour être féminine, elle doit avoir les cheveux longs, elle doit se maquiller, elle doit bien s'habiller, nanana. Bref, vous avez compris, ce genre de truc qui royalement m'énerve parce que c'est pas comme ça la vie, enfin chacun fait ce qu'il veut et de toute façon ton corps, ton choix, les autres n'ont pas à émettre d'avis là-dessus en fait. Le fait d'être féminine, le fait d'être un homme viril, etc. C'est vraiment des concepts qui me saoulent et du coup les déconstruire un peu comme ça c'est pas mal. Franchement j'aime bien. Quand je vois les différents types de réactions que j'ai eues quand j'ai dit aux gens que j'allais me raser les cheveux, ça me fait d'autant plus plaisir d'avoir eu les couilles de le faire en fait. Bisous bisous, je vous laisse avec la vidéo. Ok, let's go. Bon, alors avant de faire stop, on va faire bref, elle veut faire une coupe TikTok. Si vous êtes sur TikTok, le wolf cut, c'est ça hein. Le wolf cut, oh, voilà. Enfin, let's go. Ouais. Ça va tenir. Là, je suis en train de me dire purée. Au revoir mes boucles. Ça va faire des âges. J'avoue, hein, les gars, c'est sympa. C'était les dernières minutes que j'ai vécu avec, quoi. Là, moi, je dis on coupe ça. Oh, vas-y, attends. On coupe ça, déjà. On coupe non, ça. Non, attends, on va faire un peu moins, quoi. Tu fais genre ça d'abord. Ça, c'est ça. Ouais, ça, allez. Ça, ouais. Oh, j'ai... Ah. Tu veux que je tienne et tu coupes? Vas-y, on fait coup. Travail de groupe. Attends, je vais pas vous cacher. Je allez, donc, on je le fais. Je fais la miniature. Oh, c'est attends, on va tout le monde, hein. T'es sûr au moins? Oui, pas tout de suite. T'es sûr hein? Oui. Ah elle m'a fait dit vas-y. Attends. C'est bon. Oh non, Camille, j'ai mal au ventre. Bon, vas-y, moi. C'est quel droit d'auteur, attention. Ah non, c'est pas grave. C'est pas grave, il n'y a pas de droit d'auteur, t'inquiète. On peut chanter autant qu'on veut les musiques. Ouais. Tu m'entends, hein? Mais frère, t'as été juste moi. Oh merde. Oh. Vas-y, hop. Ça, on peut faire un saut avec. Les gars. Les gars, regardez. 3, 2, 1. Ah non. Oh, c'est pas beau sur les cheveux bouclés. Mais... Non, bah, ça passe pas. Mais en vrai, vrai. Ah, si tu veux, on les fait TikTok. On est des boulets. On les lave, je pense qu'il y a moyen. Putain, en vrai, c'est pas... On les colle au pied. Trop tard. En vrai, on les lave. Il y a moyen. C'est pas cool encore un peu. Je fais quoi avec vas-y, je fais une frange. Je peux te faire une petite frange un peu. Attends, moi je suis. Elle est en train d'hésiter à mort là. Regarde, moi je suis coiffeuse. De toute façon, là c'est lancé. Moi je suis coiffeuse. Je suis coiffeuse professionnelle. Je vous fais un petit frange pour Camille. De toute façon, Camille, raté pour raté, au pire. De toute façon, après. Regardez. À la fin, moi les gars, hé, les gars, 40 ans de coiffure que j'ai. Là t'es 40 ans, hein. T'as fait des bottes, tu regardes ça. TikTok, chirurgie, hein, tu connais. Je suis sur TikTok. Wow, mes yeux. T'inquiète, Cam. Non, on va bien, en fait. Moi j'ai l'impression que c'est ma poupée hein. C'est ma poupée Barbie hein Camille. Moi je faisais ça avec mon petit frère, je coupais les cheveux. Ah ouais, moi non, je fais ça. Ma Barbie quand même. Non, je suis en train de m'amuser. Je suis maquillée, j'ai fait des trous dans ses cheveux, c'était génial. Tu crois ça quelque part dans ta vie hein. Bah ouais, donc, profite. Ah, je crois que c'était dans l'autre sens, non? Non, c'est comme ça, non? Mais c'est pour faire une croix, tu fais comme ça. Non, parce que tu suis par rapport à toi, c'est ça. Tu fais comme ça, non, ouais, c'était dans l'autre sens en fait. Ouais. Poulet, hein. C'est beau. Heureusement que c'était pas fait pour être dans ces. Mais non, ça va, en les gars. Vrai. En vrai, Cam. C'est Cam. Ça fait genre, oh my god. Regardez là. Mettez déjà le mulet, je trouve ça beau. On fait un mulet. Allez.
Ça fait très militant. J'allais dire années 80. Ça fait très militant. Ouais, années 70. Années 70. Oh, ouais, j'adore. Moi, je dis, rase pas tes cheveux, fais ça. La délicatesse. Mais tu l'attaches? Je l'attache. Coquine. C'est pas le thème de la vidéo, hein. Ça peut s'arranger. Je titre. C'est de panique quand t'es jeune. T'as des cheveux, non. PLS derrière. C'est pas mes cheveux, mais j'ai peur pour mes cheveux. Mais c'est tout à fait. J'ai besoin d'un petit blush. Attention! Surprise numéro 2! Waouh! Les cheveux du pas, ils ont pas été pris, donc c'est chiant! Ouais! T'inquiète, ils ont pris maintenant! Mais moi aussi, je veux couper! J'avoue, tu prends tout le temps les ciseaux, t'es vraiment pas. T'es vraiment. On fait des cuirs! Selfish! Oh, y'a des cheveux! Ils ont un selfish, Lucie! Pourquoi tu dis ça en caméra? Ouais! Elle a dit, je suis égoïste, pas égoïste, mais. Alors que là, tu vois, parce que je veux faire les bêtises! T'es plus comme ça? Ouais! Mais non! Bon, je vais faire. On dirait Joanne Jett. T'es sûr que tu veux te raser les cheveux? Bah, là où on en est. Ça fait un peu volume. Ça, ça passe crème, hein! Ouais, genre, regarde! Juste comme ça, ça passe crème! Mais je trouve derrière, on devrait couper un peu plus. Toi, t'en penses quoi? Pourquoi je fais ça? Ma cousine coiffeuse qui finalement n'est pas venue. Heureusement, elle nous a réjugé. Ah, elle est coiffeuse? Ouais. Vrai non, c'est. Mais en vrai, quand même, ça te va bien, je trouve. Hein. En vrai, ça donne un style. Et du coup, vous me faites hésiter. On n'aurait pas dû essayer ça, on aurait dû raser direct. Hein. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Ouais. Likez et commentez. Dans les commentaires. Genre, on peut faire la coupe mulet, s'il te plaît. Bah oui, moi j'aime bien. Vas-y, fais-la. Ouais. Parce que les cheveux bouclés, ça rend mieux déjà, tu vois. Tu vois pas comme c'est pas droit. Moi j'aime bien. T'es sûr hein? Parce qu'elle y va. Ok. On fait ou pas? C'est pas comme ça un mulet. Mais mec, là ça commence ici un mulet. Mais le mulet, genre c'est comme ça. Eh ben, on fait un mulet long. Ouais, fais un mulet long pour commencer. On fait un mulet long. Mais le mulet il commence là. Mais fais un mulet long quand même. Mais tu prends une grosse mèche, tu prends une mèche super large. Les gars, si vous avez besoin de coiffeuse, vous savez nous contacter. Nos Instagram seront en bio. Alors on va devenir beaucoup de choses à Dublin, donc si vous voulez. De toute façon, on aura besoin d'argent. Donc, on va laisser juste notre compte Péconique pour. Ouais, Péconique. Attends, alors, j'ai été. Putain, elle est délicate, tu vois. En Allemagne. C'est ironique, bien sûr. Eh ben, les Allemands, ils sont très très beaux. Hein. Surtout les barman. Les Allemands qui passent par là. Ah oui, les Allemands, ils sont très beaux. Hein. Les Flamands sont pas mal, moi. Ah oui, non, les Flamands. Les Flamands, le style. Les Flamands. S'il y a un Flamand qui nous regarde. L'Instagram est en bien. Instagram. Vous avez l'air si délicate. Non, je te dis que non, franchement non. Mais faut faire des têtes choquées, tu sais, en mode c'est horrifié. On fait un petit défilage. Ouais. Important quand on fait ça pour pas avoir la démarcation. On dirait elle fait genre qu'elle maîtrise la situation. Oh, parce qu'elle la maîtrise pas du tout. Oulala. La chute de cheveux. On dirait que ça. En fait, on dirait une moumoute un peu. Plus de 4. Oh. Est-ce qu'on couperait juste pas genre c'est un côté court et un côté long comme ça? Déstructuré. En fait, faut faire durer le plaisir un petit peu comme ça. C'est ça. En fait, ça va être rasé à minuit. Les gars, vous vous rendez pas compte qu'elle a laissé quand même ses mains dans les mains. Mais les cheveux dans les mains de deux. Ses mains dans les cheveux de deux folles. Genre, il y a plein de cheveux. Il y a pas pire que. Je viens de repenser à un truc. Ma mère, elle m'avait dit tu me gardes une mèche. Il y en a plein. Tu veux qu'on les garde une choisira une brune. Je sais pas, elle choisira. Allez, ça, tu vas vite. Moi, je vois rien là. Je découvre le montage. Ah ouais, c'est très beau. Pas l'air très convaincue. Vous vous rendez pas compte que Camille ne se rend pas compte de ce qui se passe parce qu'elle a pas de miroir. Si, j'ai un miroir à côté. Oh, mais... Quel rire de gâte. C'est trop mignon. D'habitude, t'as des surprises. Elle n'a pas ta couleur vu que t'as l'air pousse. Bah oui, je suis déception. Mais t'inquiète, plus tard, je ferai du rose. Je n'ai jamais fait de connerie capillaire. Mais techniquement, on a déjà tout fait. Bah si, le bleu. Ah oui, j'avoue. En plus, moi, c'était vraiment ma première coloration. Moi aussi, c'était la première fois. Ah oui, on a vécu notre première fois ensemble, Camille. On retire le contexte. On a vécu notre première fois en titre. Je le fais. J'ai pas regardé encore à quoi elle ressemble, Camille. Moi j'aurais une surprise. Hein. Mais moi non plus, juste tu vois, un peu. Ah putain, mais. Wow. On dirait une folle qui s'est fait. Qui s'est évadée dans un asile. Mais là, c'est trop long. Ah, la sensation attends, déjà. J'avoue, pour raser, il faut se couper. C'est pas vraiment une sensation ou pas? Oui. Mais bouge. Tu vas être en mode. Mais ça bouge pas. Ça, c'est perturbant.
C'est une meuf qui s'était aussi rasée les cheveux qui m'avait dit que quand elle l'avait fait, elle aussi elle avait eu des réactions, moi genre ouais je te parlerai plus et tout tu vois. Ouais, les gens sont super chelous. Elle, tu vas recevoir du coup des mecs hétéro cisgenres. Est-ce que tes cheveux ils repoussent bien? Trop hâte. Bah déjà je connais une belle brochette de mecs qui vont la juger et je vous dis déjà je vous emmerde. Ouais, ouais, ça, c'est moi je me souviens. Mais moi j'ai donné un exemple concret. On demande c'est qui. Un mec m'avait dit oui moi j'aurais pas aimé que ma copine elle fasse ça, Alison, tatati tatata. Je fais déjà je suis pas ta copine. Ouais, c'est ça. Et oui, même ta meuf fait ce qu'elle veut en fait, c'est pas ton crâne mec. Bah exactement. Et le mec m'avait dit oui mais ça va, Alison, tu vas redevenir jolie parce que tes cheveux ils repoussent. Je vais redevenir jolie parce que mes cheveux repoussent. Donc en vrai t'es moche, je te jure. Donc en vrai les cheveux. Bah les mecs comme ça, grossissent quoi. Je sais même pas si on voit. Oui on mais voit. J'étais moche du coup les cheveux rasés, là comme ça je suis moche. À partir de, du moment où ça ne dépasse pas ça, tu es moche, tu es considéré comme moche. Les caricous ils aiment bien donc, mais au-delà... Donc voici la caricature de quelqu'un de moche. Et du coup nous sommes deux personnes très moches. Non c'est pas vrai, vous êtes pas... vous êtes les plus belles du truc. Bah ouais. Ouais, ouais vas-y bon. D'un coup, tu fais comme ça. Toi tu connais, tu connais. Ouais tu penses pas qu'à... Toi tu fais toute seule. Je connais pas moi. Je pense que j'ai jamais fait non. Ça. Vas-y, quoi. Là, j'espère qu'il est bien réglé. La vidéo, hein. Vas-y, 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 vas-y. Où ça coince? Vas-y, ça fail. En fait, t'as les cheveux hyper épais. Ça coupe, donc quoi? Non, non, y'a rien qu'un. Mais mec. Oh là là. Bois blanc, mais y'a trois cheveux dessus. Ça tourne mal. Ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne cette fois. Non. Fais dans le temps, dans le temps. Ouais, dans le temps, oh là là. Au pire, coupe à blanc. Au pire. Ça prend les cheveux. Oui. C'est bon. Après, tu restes comme ça. Comment? Et ça fait un petit style. C'est comme ça. Non, mon cœur, ne reste pas comme ça, Camille. J'ai un gros n'écoute dedans. Pas, juste. N'écoute pas. Oh, justement, il y a une fille qui a demandé si j'étais malade quand vous avez rasé. Oh non, ouais, oui, mais c'est tellement cliché, genre. Ça quoi. Et du coup, j'ai dit non, ça va. Je vais bien. T'imagines, j'aurais dit l'inverse. Pour une blague. C'est la partie tout triste. Oh putain, tu me donnes des mauvaises idées là. C'est un petit peu trop violent. Pour des gens comme ça. Mais grave. Imagine, imagine. Putain, moi, on m'appelle. Oh, mais j'ai dit oh, mais elle. Est-ce qu'elle fonctionne sur secteur? J'espère. Mais t'arrêtes avec ça. Ah, mais non. Si je vais laisser comme ça, attends. Tu vois? Ah putain, c'est quoi cette merde? Y'a plus de batterie, les gars! Non. Moi je suis spéciale, déjà. Il me dira si tu veux le numéro ou pas. T'as pas envie de répondre maintenant, s'il te plaît, parce qu'on est en grosse galère. Donc frère, rappelle-moi. Merci. Bonjour par politesse. Non, tu me saoules! Comme vous avez pu le constater, on avait pas mal de soucis. Mais en fait, on a dû s'arrêter. Il devait être genre 22h30, un truc ainsi. Parce qu'en fait la tondeuse n'avait plus de batterie alors qu'elle avait chargé absolument toute la journée. Du coup bah on est parti dormir comme ça en mode bon on sait pas quoi faire de plus. On a essayé de contacter des gens, voir s'il n'y avait pas moyen que quelqu'un ait une tondeuse. On a repris le lendemain matin en ayant laissé charger la tondeuse toute la nuit. Elle s'est à nouveau coupée au bout de genre 5-10 minutes, elle s'est éteinte et pas moyen de la rallumer. Et en fait, bah, finalement, en fait, il s'avère qu'il y avait une autre tondeuse chez moi. Je ne le savais pas. Et du coup, je vais vous montrer le résultat final quand même, parce que je pense que c'est ce que vous voulez voir, ce que ça donne. Waouh. Hello everyone. Du coup voilà, sans cheveux, ça fait très bizarre les gars, je peux pas vous mentir. Du coup voilà ce que ça donne, avec le petit make-up pour dire de se mettre en valeur au max du max, t'as vu. On met toutes les chances de mon côté. En vrai ça va, même démaquiller, je trouve que ça passe crème. Enfin, j'avais peur de pas être 100% à l'aise démaquillée et tout, mais en vrai ça va, j'aime bien. Il va me falloir quelques jours d'adaptation pour être ok de voir des gens genre en étant à l'aise, je pense. Ouais, c'est même sûr. Alors, ce que je fais depuis que c'est court, c'est que je passe mes mains comme ça. Et je passe ma vie vers ça. Inintéressant, hein, tous les mecs, en général, parce que c'est souvent les mecs qui ont eu les cheveux courts, mais toutes les personnes qui ont eu les cheveux courts, je pense qu'on fait ça au moins une fois, rassurez-moi. Je me rappelle, je le faisais sur les cheveux de mon frère quand il était petit et qu'il les rasait. Bah là, je peux le faire sur mon propre crâne. Du coup, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo, que vous aimez le résultat autant que moi je l'aime. Enfin, ça va, tu vois. Enfin, j'aime bien, mais ça fait super bizarre, genre... Vraiment, c'est la première fois de ma vie que je rase mes cheveux. C'est la première fois que j'ai des cheveux aussi courts et toute ma pousse, ça sera la première fois que je les ai eu aussi courts jusqu'à ce qu'ils arrivent genre là. J'espère que vous aurez kiffé la vidéo. J'espère que vous aimez bien le résultat, même si votre avis, voilà, vous savez où je me le carre. Parce que ce que j'avais fait avant de le faire, c'est que j'avais un peu teasé à plusieurs personnes. Et alors, les meufs,
des réactions genre pépites. Les mecs c'était mitigé. Hein. Genre il y en a qui étaient en mode genre ouais vas-y je suis sûre ça va trop bien t'aller et tout. Puis il y en a qui étaient en mode genre non fais pas ça, ça ne va à personne, tu vas ressembler à un mec. Hein, c'est mon crâne ou c'est le vôtre? C'est la question. Si vous avez envie de le faire, les gars, sérieusement, lancez-vous. La vie des gens, vous vous en foutez, vous ne pensez qu'à vous-même. Vous avez compris, si vous avez envie de le faire, faites-le. Si vous avez envie de faire des colos, faites-le. Si vous avez... Articule. Si vous avez envie de faire des coupes qui sont pas communes, genre, je sais pas, un mulet et tout, mais lancez-vous, en fait. La vie des gens, est-ce qu'il compte? Non. C'est votre tête, pas la leur. Si ça vous plaît à vous, c'est le plus important. C'est tout. Du coup, sur cette petite note, je vais vous dire au revoir. J'espère qu'on se dit à la semaine prochaine. Et je vous fais plein de bisous. Oh putain! Ah, bon, sur la vidéo. Ah oui! La différence! C'est très bon, hein? J'avoue. Putain, ça a l'air bizarre. Hein. En vrai, ça va, mais vous êtes maquillée, il y a moyen de. Ça va. Mm-hmm. Ça va bien, je crois. Oh oui! Oh oui! Ah là 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 là! Ça, donc du coup, aujourd'hui, on va faire des conneries capillaires, of course. Ça fait longtemps. Est-ce qu'on nous entend avec la distance? Je ne sais pas. Inch'Allah. On espère! Inch'Allah, hein. Bah, avec lui, du coup, on mangeait des noix dans sa camionnette. Oh non! Il m'ouvrait des noix et on mangeait des noix. Quoi? Mais en fait, t'as des tic-tac ou je l'aime?